Hey, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve sur Virginia pour l'épisode 2. Alors, excusez-moi un petit peu du retard, j'ai eu une angine et une grippe en même temps. C'est un peu difficile, j'étais assez malade ces derniers temps. Et du coup, on continue l'histoire tranquillement sur Virginia. Non, vous avez vu, j'ai réinstallé mon fond vert, mais je l'ai toujours pas réinstallé sur le PC. C'est-à-dire, j'ai toujours pas trouvé un bon logiciel qui marche bien. Et on reprend à l'endroit où on avait arrêté. Donc, on entend des étranges vibrations. Qu'est-ce? Je ne sais point. Faut savoir, ce jeu est rempli de mystères et boules de gomme et moniteur de rythme cardiaque assourdi. On entend comme si on était dans un hôpital. Et là, on a un petit chapeau. Je pense que ça va être de l'armée de l'air ou. Alors attendez, je remets bien mon micro. Voilà, l'armée de l'air. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est assez chelou. Battement de rythme lointain. Ok. Une chaudière, les gars. Alors, je sais pas ce que c'est. En tout cas, ce jeu, franchement, il me fait faire des tripes bizarres. Enfin, franchement, waouh, disparu, Lucas, ouais, c'est le mec qu'on cherche, quoi. Et une chaudière. Et quoi peut servir? À brûler tout ça? Non, je pense pas. Qu'est-ce qu'il fait encore là, cet oiseau? On dirait un phénix, il renaît de ses cendres. Ok. Franchement, dans ce jeu, tout est assez chelou quand même. Donc lui, il fume sa petite cigarette, tranquille. Souffle la fumée. Ok. Mais que me veux-tu, mec? Tic-tac de l'horloge, je continue. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Franchement, tout commence à être un peu chelou. J'arrive pas à recoller un peu les morceaux dans le jeu. En fait, c'est vraiment un puzzle psychologique, si je peux dire. Ah, ok, on est revenu sur son PC. Base de données, ok. Tape le mot de passe. Avec un clic. Connecté Tarver Anne. Ok, on s'appelle Tarver Anne, ça je le savais. Mais spécifie une requête. Cherche. Alperine. Please wait. Ok. Alperine Maria. Ok. Non, Alperine Maria, statut actif, dossier transféré du fichier président le 4 mars 1990. Maria Ortega. C'est la même personne en fait. Ok. Cherche Ortega. Maria, Judith. Je crois que c'est Marie qu'on cherche. C'était peut-être son ancien. Non, Ortega, c'était son ancien nom. Elle s'appelle Alperine maintenant. Ok. Note. Please refer to the record department. Ok. Veuillez inconsulter le service des archives. Franchement, on fait plein de recherches sur cet Ortega. Vous pensez vraiment que c'est la criminelle? Non, je pense pas. Ça se met où ça? Là. Ah, faut bien viser. Là. À l'ancienne. Hop, normalement, branche de bobine à côté. Même pas. Ok, on allume le l'appareil. Ok, j'ai vu un truc, un petit truc qui s'est allumé. Ok. Et là, normalement, on entend le rembobinage, voilà. Du microfilm. Ah, ok, c'est un microfilm. Ok. Ah ouais, c'est comme ça que tu faisais du rembobinage. Ah ok, Ortega continue de faire des allégations extravagantes concernant un complot et soi-disant violation d'éthique professionnelle. Les conséquences des interventions de ces fausses concurrences, elles devaient être relevées au grand public. Votre réputation, la mienne et celle du bureau doivent être sauvegardées. Cord le comprend, j'apprécie sa coopération sur cette question sensible.
En interne, chacun sait que bien qu'elle soit sanctionnée par les sciences appliquées, Ortega a une prédilection pour les méthodes non conventionnelles. Je pense que nous pouvons certainement utiliser cette information en notre faveur en cas de problème. D'accord. Ok, il y a eu un problème en interne avec Ortega. Musique de violon intrigant. Donc là, on a un dossier confidentiel. Alors, après avoir été suspecté de faute grave d'abus de biens du laboratoire du FBI, de manquant à l'éthique concernant l'utilisation interdite de substances contrôlées et d'absorbulation, l'agent spécial Judith Ortega fait l'objet d'une enquête au bureau des affaires intérieures du département de la justice pour une période d'un minimum de 3 mois. Ok. Les conclusions de cette enquête sont que l'agent devrait être poursuivi pour toutes les chefs d'accusation. Ah ouais, carrément. Une recommandation est qu'elle soit immédiatement suspendue sans solde et que son statut d'agent spécial soit révoqué indéfiniment en attendant la constitution d'un tribunal officiel. Notre... ok. Putain, ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. Ouais, tout se comprend en fait, petit à petit. Oui, il y a la fanfare en ville. Bon, qu'est-ce que je vais prendre moi? C'est, ça va être un candidat, je pense. D'accord, qu'est-ce que c'est ça? Raccompagner Bacon chez lui. Donc ça ouais c'est un petit quelqu'un qui je pense qu'il fait son élection ou je ne sais quoi. Après, ok, qu'est-ce qu'il y a écrit? Contact the site manager and dominion pour more information. Ok. On retourne dans sa petite caisse assez sympathique avec notre petit sac et tout. Et là on retourne. Ah là on va dans un petit chemin, d'accord. C'est pas très joyeux, hein. La musique c'est bien aussi. Hein. Dominion Construction, ok, on y va là. Ok. C'est pas très bavarde, hein. Moi non plus. Je te rassure. Ok. Bon, on s'arrête ici. Ok, mademoiselle. Ouais. Petit freinage de frein. Donc là on va visiter, c'est ça. Donc on est rentré dans une sorte de grand astro. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça en astrologie. C'est de l'astrologie en tout cas, ça je suis sûr, mais je sais plus comment on appelle ça. Oh, une petite plante. Putain, on a l'impression qu'ils ont enlevé juste la. La petite dalle en bois pour la faire pousser en fait. Ok, on a récupéré une plante. Moi j'appellerais ça un observatoire. Ouais, un observatoire, une... On pourrait appeler ça comme ça. Ok, on va monter en haut. On va voir ce qu'il peut avoir en hauteur. Ah mais chaque truc dans le jeu, tout ce qui est son, on entend les oiseaux, on entend la nature, a été vraiment travaillé dans ce jeu. La petite scène d'incitration. Ouh, c'est pris une grosse gifle quoi. Mais c'est pas le pasteur ça? En tout cas, il se passe quelque chose de bizarre avec les parents quand même. Le numéro 9. Commence à faire nuit. Ah ouais, carrément, elle l'a fait à la Hitman, à la Splinter Cell. Ok, dame. Ça peut être pratique. Ok, donc ouais, on retourne dans la famille qui a perdu leur gosse.
fouille un peu partout. Moi, j'allais dans cette salle. Ok, non, dans le bureau du papa. Putain, il en a des fusils quand même. J'ai. Hey, franchement, ce serait un développeur de triple A. Les mecs, ils auraient mis les mêmes armes. Sauf que là, ils ont bien fait, ils ont bien travaillé la chose, ils ont bien fait attention aux détails. Même au niveau des têtes de cerf. Ok, bon, fouillons un peu le bureau, voir ce qu'il y a, ce qu'il peut y avoir. Ok. Le deuxième. Putain, tout est fermé. Oh, celui-là, il va s'ouvrir. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, là? Il y a une petite boîte assez suspecte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Ah, mais c'est toujours ça, ça coupe. Au moment où tu peux voir ce qu'il y a dedans, quoi. Sojourner Truth. On va boire un verre, c'est ça? Volontiers. Ok, la meuf elle se fait la meuf célibataire qui a envie de se faire plaisir quoi. Juste l'ambiance sonore est juste délicieuse quand même. Nous on vole des serviettes mais c'est complètement inutile. Salut les gens. Bon. Moi je veux bien de binouze mais j'ai pas l'impression que tu sois servi ici. Ok, alors là. Ah, j'ai une chaise, je suppose que je vais m'asseoir dessus. Ouais, je... Et on va regarder ces petits concerts. Comment l'envoyer chier? Le pire, c'est qu'il n'y a pas de parole. Et même en la musique. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah, le petit effet de ralenti. Changement de plan. On se voit une petite pinouze au coucher de pendant une petite soirée comme ça, tranquille. Après une petite mission qu'on a toujours pas réussi. Ah, on est quand même avec notre pote, on n'est pas tout seul. Mais franchement, ils te mettent bien dans l'ambiance quand même. Et on passe à jeudi, les amis. Je sens que ça va être long, ce jeu. Enfin, il est court, hein, mais j'ai l'impression que ça va être long pour coller tous les morceaux, en fait. Assez rapidement. Alors là, on n'est pas dans notre chambre habituelle, là. Je suis un peu perdu. Alors, on a dormi dans le canapé, je suppose, de chez Ortega. Ortega. Ok, la porte, elle est fermée à clé. Bon, franchement, moi je ferais pas ça. Hein. Je vous dis, hein, y a quelqu'un qui m'invite à dormir chez lui. Mon premier réflexe, c'est pas d'essayer de me casser, c'est de. Bah, d'aller la voir, quoi. D'aller voir si elle est debout. Comme je connais pas la maison. Ah oui, d'accord. C'est carrément le bordel ici. J'ai l'impression qu'elle a la tonne de tout rangé. En fait, j'ai la vie tout seul là. Enfin,
Je suppose que c'est sa maison du coup, mais. C'est très vide. Très très vide. Attends, la fleur elle est morte. Un lit d'hôpital? Ça, par contre, c'est suspect, ça. Enfin, c'est pas trop compréhensible. Ok, rien de spécial au niveau d'ici. Ok, donc il y a une chambre vide, une chambre de débarras. Un truc d'handicapé, d'accord. Bon, l'impression qu'il y a eu quelqu'un. Enfin, franchement, il y a eu aussi un déménagement, tu vois. Ouais, tout est équipé pour une personne qui est. Attends, elle a une tête de... Une tête de cul. Tout simplement. Non, on va pas se passer par là. On va aller voir l'autre. Elle doit faire manger, je suppose. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment d'huile dans une poêle? Donc on doit faire cuire quelque chose d'assez appétissant. Tiens, on va aller de l'autre côté pour manger. En tout cas, ça a dû être une soirée assez chargée, on dirait. Hein. Du bacon, des saucisses et du pain de mie. Ça a l'air bon tout ça. Ah, moi j'ai le droit à 2 œufs, merci. Bon bah à table, hein. On va manger tout ça. Tu vois, il y a cet oiseau, il nous apparaît, mais en fait il est pas là quoi. Il doit être. Enfin, ça doit être le fruit de notre imagination. Ah oui, à l'époque on faisait comme ça pour les photos, c'était. C'était pas très élaboré à l'époque. Ok, ensuite on les met là. Ensuite, on les fout là. Il y avait quand même une tonne de processus. L'un les plus. En fait, dès que tu ouvrais la porte et qu'il y avait la lumière du jour quand tu étais en train de développer une photo, elle devenait toute noire ou blanche. Je me rappelle plus. Et du coup, ça niquait toute ta photo. Alors là, je comprends pas ce que c'est. On dirait une chaîne, une montagne. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est chelou. On arrête le. On voit très mal sur la photo en même temps. Ok. On se casse, d'accord. On lâche le prêtre et on se casse. J'ai pas compris, il y avait quoi sur la photo de si. De si dérangeant pour arrêter ce pauvre prêtre. Pauvre, peut-être pas. Il est peut-être pas coupable ni innocent, donc. Non, ça va être par là, obligatoirement. Il doit interroger la daronne, je crois, c'est ça? Donc, il n'y a rien au niveau de ça, c'est ça? Donc on a une photo avec deux personnes. Bon, on sait toujours pas ce qui s'est passé. King Music Optimist. Tiens, tiens, dis donc. Ah ouais, je me disais bien, c'était deux mains enchaînées et c'était une statue, ok. Ok, donc toujours les documents sur notre Alperine Maria. En fait, on enquête sur deux enquêtes, c'est ça qui est le plus bizarre. Fait un peu agent double.
Bon, allez, aller chercher un café, de quoi griller. Et nous, on attend de faire une vigilance en fait, hein, j'ai l'impression. On va boire notre petit kawa. Ouais, on fait que de manger, c'est tranquille la vie du FBI. Ah. Il y a un petit camion, j'ai l'impression qu'il va s'arrêter. Bingo. Deux camions, trois camions militaires qui s'arrêtent. Ils prennent la route qu'on a pris tout à l'heure. Moi, je dirais ça suspect. Adore le mec qui nous avait donné son petit étiquette pour voter pour lui, je pense. Bon, là, je pense que on va aller y jeter un coup d'œil. Franchement, plein de nouvelles choses qui arrivent au niveau de notre puzzle. Ouais, il y a un grand puzzle, il y a 1000 pièces. On a 200 pièces dessus là et on a plein qui se rajoute encore. D'accord, on n'a pas le droit de rentrer. Ok. Bon, y a quelque chose qui se trame ici. On va mettre notre petite plante de gasoil. Ok, nickel. Bien. Qu'allons-nous nous faire? Wow, qu'est-ce qu'il nous ramène là? Un bison? Un buffle, pardon. Pourquoi t'as acheté ça? J'ai l'impression qu'on devient un couple. Je mets l'essence, elle va chercher un nounours, elle m'offre un nounours. Et là, elle va avoir. Savoir ce qu'on en a fait sur elle. Eh ouais, ça allait pas tarder. Mais notre amitié a commencé à bien marcher, tu vas pas me laisser là quand même. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Tu m'offres un nounours, tu vois quelque chose dont je peux même pas t'expliquer et tu te casses, d'accord. Bon bah écoute. Nous, du coup, on va se casser aussi. Hein. Je crois qu'on retourne à notre appart, non? Ou... Non, on retourne en bas. Ah, on retourne dans le bureau de Maria. Comme au début, dans le premier épisode. Je disais bien. Franchement, c'est glauque quand même avoir un bureau aussi sous terre là. Ça, c'est limite Batman. Par contre, comment les passages sont hyper longs, je peux même pas courir. Je suis obligé de marcher en fait. Je suis obligé de subir l'action. C'est pas ce que j'aime le plus dans un jeu, mais ça va. Ce jeu, porte coincée, ok. Oula, d'accord. D'accord. Que me veux-tu? Ah, ça c'est quand j'ai reçu l'FBI, un petit flashback. Son bureau est dans un bar. C'est encore pire.
crois qu'on fume un peu trop de beuh, nous deux, hein. À chaque fois, cet oiseau disparaît. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut... Il peut bien représenter, en fait. C'est la question que je me pose. Franchement. Bon bah du coup, on déjeune le matin tout seul. Toujours avec notre fragment de clé cassé. Notre dossier, notre bison juste à côté. Enfin, je sais même pas si c'est un bison. Enfin bref, vous m'avez compris. Du coup, on est même pas dans sa bagnole, on est dans un petit taxi. Retour à la case départ, si je puis dire. On fait demi-tour. Ok, bon bah attendez. Déjà on récupère cette petite plante. Je pense qu'on fait aussi collection des plantes du coup. Et du coup on retourne un peu là où dans la caverne qui s'était effondrée. Rappelez-vous, maintenant qu'il est fermé au public. Et du coup je suppose que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retrouver son pendentif, c'est ça? Ou bien. D'accord. Ouais, je pense qu'on va essayer de récupérer ce pendentif. Elle est plus facile, je crois, pour monter. Là, tu dois te faire bien mal. Ok. Nickel. C'est tellement pas safe. J'ai tellement peur de me casser la gueule, mec. Chaud. Je le ferai pas perso. Oula. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Non, 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 non. Ouh. Normalement, tu te casses quelque chose quand même, un bras ou une jambe là. C'était pas. À part si elle est tombée directement dans l'herbe, mais. Encore, ça peut la sauver, mais chaud. Putain, elle se fait. Elle a pas peur, notre héroïne. Ouh, ok. Bon, bruit d'un normal. Je crois qu'on fait une rechute là. Bon. Allons chercher, je pense. Ce morceau de collier. Ah, je pense qu'il y a de quoi qu'on peut le casser. Ouais bah, d'accord. Deux coups de pied, c'est bon. Faut même détailler à l'herbe quand même. C'est les développeurs ont bien bossé quand même hein. Pour un jeu qui est 2016 avec peu de moyens, ils ont fait quand même quelque chose de beau, de raffiné si je puis dire. Ah, tiens, le brassard est pile poil sur le caillou. Ok. Le mec, il avait quand même une bonne frappe. Hein. Donc, on est retourné dans notre bar. En tout cas,
Cette musique m'intrigante, m'intrigue plein de choses. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour la suite de Virginia assez rapidement sur ma chaîne. Et sur ce, salut !